I'm dreaming about gold. Tell them I just wanna shine and I gotta let it shine. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'un glitch. Donc certes, je le dis et je mets les points sur les i, ce glitch est vraiment inutile, étant donné qu'il vous permettra tout simplement de rendre votre pote invisible et seulement votre pote sera invisible. Donc vous ne serez le seul à ne pas le voir, mais les autres joueurs de la session le verront, mais vous allez voir que c'est vraiment très très fun de le réaliser, surtout quand une personne prend une voiture. Je vais vous montrer tout ça après la vidéo. Donc pour réaliser le glitch, donc déjà ce glitch ne fonctionne qu'avec les Zentorno. Mais une fois que vous avez fait le glitch avec les Zentorno, vous pourrez rentrer dans n'importe quel véhicule, ce glitch fonctionnera toujours, donc il n'y a aucun souci. Donc une fois quand vous avez la Zentorno de votre ami ou votre Zentorno, vous allez tout simplement vous placer à la côté passager. Donc côté passager ou côté conducteur, peu importe, ça marche dans les deux cas. Et là vous allez demander à votre pote qu'il sorte de la voiture. Une fois qu'il sera sorti de la voiture, vous allez tout simplement lui demander qu'il rentre quand vous serez rentré dans la voiture. Et quand vous allez rentrer dans la voiture, lui aussi il va rentrer. Et quand il va rentrer, vous allez ressortir directement. Quand vous allez ressortir, votre pote vous verra toujours en tant que passager, mais pourtant vous serez toujours et bel et bien sorti, vous serez sorti, vous pourrez faire ce que vous voulez, vous serez tout simplement invisible pour votre pote. Pour que ce soit un peu plus clair et que je vous montre un peu l'avantage de ce glitch, qui est vraiment de troller un peu les gens et que ce soit vraiment what the fuck, aussi pour que vous puissiez voir que je suis vraiment dans la voiture alors que j'y suis pas, vous pourrez voir sur le petit logo de mon ami, dans sa voiture il y a écrit 2 joueurs alors qu'il est tout seul. Donc on va faire le glitch avec ma voiture, vous allez voir que c'est vraiment très très drôle. Donc il faut juste que je me suicide, je vais mettre la voiture à côté de mon pote, il faut juste que je me suicide, histoire qu'il puisse me revoir et qu'on puisse réaliser la manipulation. Voilà, on va se suicider. Hop, en attendant que je me suicide et que je réapparais, je vais tout simplement vous inviter à me rejoindre sur mon groupe Facebook, ma page Facebook et mon Facebook personnel. Donc si jamais vous cherchez des personnes pour réaliser les glitches que je fais en vidéo, n'hésitez vraiment pas à poster un statut. Des personnes se feront un plaisir de vous ajouter et d'accepter votre demande afin de vous aider à réaliser les glitches. Donc certes que les glitches sont très très durs à trouver en ce moment. J'ai un petit glitch d'RP, mais faut vraiment être nombreux pour qu'il soit vraiment très rentable. Mais je vous le proposerai quand même si vous êtes vraiment, si vous le voulez vraiment. Donc vous allez tout simplement, comme je l'ai dit, vous placer celui qui va rendre son pote invisible, se place à côté conducteur. Conducteur monte dans la voiture et attend que son pote rentre dans la voiture. Donc là mon pote est figé en tant que passager. Là je vais lui demander qu'il tire une roquette afin que vous puissiez voir qu'il est totalement invisible. Donc il se place devant la voiture afin qu'il puisse tirer une roquette, vous allez voir qu'il sera totalement invisible. Mais mon pote qui est juste en haut, donc qui est Nautique, il le voit très très bien sur la map. Donc il n'y a aucun souci, c'est vraiment juste un petit glitch d'invisibilité entre potes. C'est vraiment très très fun. Donc est-ce que mon pote montant et qu'il puisse tout simplement tirer avec une roquette, ça serait bien. Ou fait péter un truc ou un truc comme ça, histoire qu'on puisse montrer que t'es invisible. Oh, attends, non, j'ai une meilleure idée. Tape-moi, Minou. Eh, vas-y, tape-moi. Donc, on peut voir que mon pote est en train de me taper. Il est complètement invisible. Mais mon pote Nautique le voit sans aucun problème. Là, je vais vous montrer un peu l'avantage de ce glitch. Donc, il faut tout simplement... Donc, vous allez tout simplement prendre une voiture, peu importe laquelle. Vous allez voir que c'est assez drôle. Donc, mon pote est sorti. Donc, ouais, si vous éloignez trop de votre pote, le glitch ne fonctionnera plus. Donc là je vais vous montrer un petit glitch qui est assez, qui est l'avantage de ce glitch, qui est vraiment très très fun. Donc je vais demander à Johnny qui monte dans ma voiture. Allez, en voiture s'il te plaît. Donc il va monter dans ma voiture, on va tout simplement aller sur la route afin de chercher un véhicule de civil. Et vous allez voir que à ce moment là c'est un moyen de troller vos potes. Pourquoi pas faire une petite vidéo délire dessus, hein, ça peut être vraiment très très fun. Donc on va réaliser le glitch. Voilà, je vais me mettre en côté passager afin d'être invisible. Voilà, on va se mettre en côté passager. Je rentre dans la voiture, il rentre dans la voiture aussi. Une fois que je suis rentré, je ressors immédiatement. Là, il va klaxonner pour me dire si je suis toujours dans la voiture. Donc, je suis toujours dans la voiture. Et si c'est vraiment très très fun, vous allez prendre une voiture de civil. Donc, déjà, vous aurez du mal à rentrer dans la voiture, comme vous pouvez le voir. Donc, si jamais vous n'y arrivez pas, vous faites en sorte que les conducteurs sortent de la voiture.
Voilà, il y a une personne qui est sortie. Et là, vous allez tout simplement monter dans la voiture. Et quand votre pote va monter avec vous, donc là, je vais demander à Johnny de monter avec moi. Vous, quand lui va monter, vous allez conduire normalement. Mais quand lui va être dans la voiture, il verra tout simplement un homme invisible conduire. Et en fait, s'il monte en côté passager et que vous êtes vous invisible, et bah ça vous fera tout simplement sortir de la voiture. Donc c'est un bon moyen de troller les gens. Après, vous pourrez aussi vous mettre derrière afin de faire en sorte que ce soit l'homme invisible dans la voiture. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour ce glitch. En tout cas, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Allez, ciao bébé tout le monde.